Frédéric. Bonjour Bruno. Aujourd'hui encore de nombreuses offres sur Limoges et puis Saint-Julien, la périphérie de Limoges aussi. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec plusieurs offres en restauration et notamment plusieurs postes en cuisine et en salle. Oui, en effet, donc plusieurs restaurants nous ont confié le recrutement de leur chef de cuisine. Chef de partie, ce sont des postes qui sont à pourvoir donc en CDI. En CDI, avec aussi donc second de cuisine ou commis de cuisine, c'est bien ça? Oui. Alors il faut le dire, là on est plutôt sur des profils expérimentés, des gens qui ont l'expérience de travailler dans des restaurants quand même gastronomiques ou en tout cas d'un certain standing. Oui, nos clients sont des clients donc des restaurants de renom, donc qui recherchent des personnes expérimentées. Donc, Limoges, Saint-Julien, périphérie, DCDI, chef de cuisine, chef de partie, second de cuisine et commis de cuisine. L'embauche est rapide, je crois. Dès que possible, hein, oui. Très bien, on va passer dans un autre univers complètement différent, l'industrie agroalimentaire, puisque vous recrutez dans le cadre d'un CDD, d'un contrat temporaire ou d'un CDD en vue d'un poste pérenne, un technicien de maintenance, homme ou femme. Oui, nous recherchons donc un technicien de maintenance qui va être amené donc à effectuer la maintenance sur les machines de production. Le secteur géographique, Frédéric? À Limoges. Là aussi, c'est une prise de poste rapide. On attend plutôt quelqu'un de diplômé, plutôt quelqu'un d'expérimenté? On recherche quelqu'un donc avec une formation de technicien de maintenance, idéalement 1 ou 2 ans minimum d'expérience quand même. D'accord, on reste dans le domaine de l'industrie en général et vous recherchez des personnes, là c'est plutôt pas mal hein, pour des gens qui veulent travailler rapidement, des personnes qui soient capables et qui aient envie de travailler en 3-8 des opérateurs industriels sur le secteur de Saint-Julien. Oui, donc on recherche sur différents secteurs d'activité, donc que ça soit la cartonnerie ou l'agroalimentaire, des opérateurs de production pour donc travailler sur les machines en tant qu'opérateur. En tant qu'opérateur, voilà. Voilà. Là aussi, la prise de poste, elle est immédiate. On peut dire que ça peut convenir à quelqu'un qui est vraiment volontaire et qui cherche du travail rapidement. Oui, idéalement, on aime bien avoir des personnes qui ont une expérience industrielle, mais si c'est des personnes voilà, qui sont dynamiques et motivées, qui ont envie de travailler rapidement, on prend aussi leur candidature. Dans tous les cas, vous n'allez pas les mettre à la porte quand ils vont venir, on est bien d'accord. Non, jamais. Bien, Frédéric, comment je fais si je veux devenir opérateur industriel? Alors, on nous contacte soit par téléphone, soit via notre site internet. Idéalement, nous envoyez votre CV. Très bien, voilà, vous l'avez compris, une fois de plus, Place Active vous propose des CDI, des CDD, de l'intérim. Si vous voulez travailler tout de suite et maintenant, eh bien vous contactez Frédéric aux coordonnées qui s'affichent. Merci beaucoup Frédéric et à la semaine prochaine pour de nouvelles offres. À la semaine prochaine.